Attends, celui sur mon bras droit. Celui-là. Je vois comment est ton bras droit, il est bien gros. Un gars que Beka a soigné, il était fou. Celui-là, c'est mon bras gauche. Je connais le gars-ci. Il est professeur de français. Il a un doctorat en français. En langue. Linguistique. Donc, s'il parlait le français, non, même les camps, tu vois, en tant que le son. Le son. Tu vois, en tant que. Voilà, mignon. Le seul manager que quand tu donnes le feu. Ça, c'est le chauffeur de Samy. Ah bon? Et Samy. Ouais. Mais Jacob, pourquoi tu marches avec des gens qui te ressemblent? Des gens qui sont vraiment laid comme toi. Voilà. Pourquoi? Voilà. Comment? Il y a un très dangereux. La seule personne qui est bien là, c'est Samy. Oui, c'est normal. Mais le premier là, c'est celui-ci. L'autre écrit que tu viens en allemand quand? Massa Jacob, tu viens en allemand quand? Pour faire quoi? Je ne connais pas l'allemand. Yeah, l'allemand va venir au Cameroun quand? Il chante, il grüße in Deutschland. Wir sind in Kamerun. Wir trinken unsere Bier. Wir haben unser Tisch. Dieses Bier ist Kameraden. Écoutez, il boit la bière, moi je bois le jus. Oui, parce que tu es diabétique. Non, c'est parce que je ne veux pas être dans un second état. Tout ce, regarde, pourquoi les Camerounais boivent la bière? On a mis quoi dans la bière? Va demander à Moussik, c'est le ministre de l'Église avec Oba. Attends, tu ne veux que clasher tes camarades? C'est son travail. Moins de choses maintenant, cage, moins de choses, cage. C'est pour ça que. Mais il fait la publicité. Il est payé pour ça. Jacob. Ça, je vais t'offrir ce cadeau. Jamais. Cadeau, 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 mon chose là. Ok. Mets la marque du monde. Allez, mes petits, là, c'est. Ça, des potes. Quelle marque? Montre-moi ce que tu as mis. C'est quoi ça? Tis les cônes. Ce cadeau. Voilà, voilà. Oh, ça tu es. Oh, yo, non. Son chapeau, donc, qu'on va capoter. Ça, c'est Emmanuel. Donc, tu prends les choses de Karamoubi, tu gardes chez toi. Mais ça, il y avait une mission à Yuppé aujourd'hui. Oui, pour moi. C'était les lots. Ok. Où sont les lots là? Sors tout ça. Voici un lot. Montre le t-shirt. Ah, les lots de Caravan Mobile. Voilà. On devait vous donner ça. Vous n'êtes pas venu. Maintenant, ça passe. Manque à Bilongue maintenant. C'est Bilongue direct. C'est Papa Ndjeng. Tu connais mon oncle qui est court comme le mois de février là, non? Voilà ses enfants. Ah, c'est le fils Ndjeng, hein? Celui-là, celui qui a la veste là. Je le connais. Je connais Papa Ndjeng. Papa Ndjeng. Tu connais Papa Ndjeng. Tu sais que Jacob m'a démonté à toute sa famille. Mais tous sont courts. Je ne sais pas. Oh. On avait fait quoi dans leur famille? Les hommes de petite tasse, eux qui dirigent le monde. Et ceux qui dérangent le monde. Les hommes les plus célèbres dans le monde sont les hommes de petite taille. Cite. Massa Jacob. Massa Jacob. Oba Bongo. Voilà. Il est mort, délégué de mémoire. Abdou Diouf. Non, jamais coup. Tu es bête, hein? Faut bien. Abdou Diouf, Abdou Diouf était. Balthez. L'ancien gardien de la France. Hein? Qui ça? L'ancien gardien de la France. L'ancien gardien de la France. Tu l'as connu? Tu l'as connu, Barthez? Barthez, oui. Il a eu la dernière en 2006. Ok. Ça, c'est ma graphique. Il était court, hein? Oui. Tu l'avais vu de près? Ma graphique a fait. Tu l'avais vu de près? Non, pas encore. Alors, donc, tu avais vu la télé. Tu m'as dit qu'il était court. Moi, les petites tailles que je connais, c'est Massa Jacob. C'est le plus court que je n'ai jamais vu de ma vie. Team, c'est quoi? Team, ça veut dire équipe. Non, non, Massa Gab, non, c'est ça. Tu veux ton nom? Oh, fiston, viens. Massa Gab, Massa Jacob, ça. Bon. Team, c'est l'équipe. Voilà ce qui va se passer. On va te faire. Oui, Yakubo. Il est trop fier de nous. Nous sommes en train de casser Youpé. Venez casser. On ne peut jamais casser Youpé. La plage, avec tes dents comme la laque. Venez casser. La brigade qu'on a conçue à Youpé, c'est pour blanc la rue. Parce que celui qui doit habiter là-bas. Ce qu'il fait ici, c'est nous, sa pointure là-bas. Pas de solution. Regarde ce qui vous suffit. Regarde ce qui vous suffit. Tu peux tenter. Mouta, tu es malade. Le mouta a pas acheté ça. Tu es fou. Ça, c'est les chaussures que Jacob a ramassé en route pour aller faire le chat. Tu as mis les grands moutas du Cameroun. Tu es insulté avec le mouta devant moi. Jacob, il y a une fille qui demande ici que l'enfant n'a pas mangé. Massa Jacob, ton numéro OM. Je te fais un peu. Donne-lui mon numéro, Tony. Numéro OM de Massa Jacob. C'est le 000000. Jamais.
669. Ah, n'est-ce pas ça? Regarde un villageois alors. Les gars, un villageois. Tu simplifies. On ne donne pas le numéro comme ça là. Je donne. Mon avenir à quoi? Hey, Jacob, tu donnes ton numéro, tu es mal parti. Laisse 699. Eh, hey, on ne dit pas, je n'accepte pas. C'est qui ici? Votre frère, c'est un villageois. Hein? Laisse. Chacun. Vous marchez avec qui? Pleure ton deuil, laisse mon moi, je suis prêt, je n'ai pas marché. Pleure ton deuil. C'est pourquoi je n'ai pas marché avec ce gars-ci. Mais... Donc, sur Internet, à Mondiovision, devant le monde entier, on lui demande le numéro. Monsieur Samuel et tout. Il va envoyer. Monsieur Samuel et tout. Oui, dans ton domaine, tu as un Samuel. Allez, ça. Dans ton domaine. Non. 699. Allez, ça. Non, non, vous dé. C'est comment? Tu t'es battu quand tu as acheté une voiture? Tu es venu, hein? Écoute, tu fais comme ça que c'est le sou préféré. Black, prends une chaise là-bas. Tu vas encore comme je vais le faire, excusez-moi. Écoute, on ne donne pas son numéro. Je donne. Dans les réseaux. 699. Oh, arrête ça. Tu vas l'écrire à Nibé. Que tu connais que c'est qui? Non, tu passes maintenant son nom, tu rappes un message. Et tu écris un message. Après le direct, tu vas retrouver tout le monde. Oui, on retrouve. Ils sont nombreux là-bas. Tu vas pas, on va retrouver message par message, on va retrouver. Oui, après tu vas aller retrouver, mettre que ton numéro. Non, tu vas m'envoyer. Tu me connais, Jacob. Je suis très grand. Je peux pas faire ça. D'accord. Tony va. La personne. Bonjour, Massa. Tu vas bien? C'est le lion blanc. Ça fait longtemps. Ta grosse tête. Allons-y. Hein? Le lion blanc, blanc. Tiens, salopard. Jacob, les enfants nous regardent. Nous devons être les modèles des enfants. Allez, chacun a son rythme de vie. Jacob. Allons-y, les enfants. Il y a quelqu'un, quelque part, j'étais à la banque. Et une maman me dit, Tony Nobody, une maman, hein? Elle me dit, est-ce que tu sais que. Quand j'étais plus jeune, je te regardais dans l'émission Caravane Mobile. Mais une maman. Mais une jeune maman, parce que le fille d'aujourd'hui accouche. Et elle me dit, moi, j'ai regardé ton émission. Ma mère a regardé ton émission. Et mes enfants vont regarder ton émission. Donc au moins trois générations nous suivent, Pasteur Jacob. Et je le dis encore ici que c'est l'un. Pour dire que quoi? Que nous, on doit laisser. On doit. Non! On doit être des miroirs, les miroirs de la société. Donc, tu dois bien te comporter. Regarde, tu bois la bière dans un verre. Tu sais quoi? Ok, c'est une bonne chose. Là, c'est pas là. Tu sais quoi? Même le gouvernement de ces pays se comporte bien. Oui. Ah bon? Certains. Ah. Pas tout le monde. Non. C'est d'abord un pays que tout est faussé à la base. Tu as les preuves? Oui. Donne les preuves. Comment quelqu'un peut voler 20 milliards, on lui condamne 2 ans de prison. Jacob, tu as vu les preuves? On a compris quelqu'un. Qui? 20 milliards. On lui donne 2 ans de prison. Oui. On ne prend pas les 20 milliards là. Comment quelqu'un en prison il vit mieux que quelqu'un qui est dehors, qui travaille? Tu as les preuves, tu as filmé. Tu sais, il y a un truc que moi j'ai aimé dans le pays. C'est pour ça que ta voiture, c'est le laisser pas ou c'est la tortue ou c'est pas là. Parce qu'il faut dire les vérités, le Cameroun est faussé depuis la base. Ça, tout le monde le sait, Jacob. Depuis la base, les pays africains sont faussés. Parce que nous subissons le joug de Babylone. Voilà, voilà. Tonton Jacob, tu es une personnalité publique. Voilà. Les gens me respectent. Tu as bien fait, jeune homme. Ouais, c'est une femme. Il oublie ça, madame. Viara. Viara, il oublie ça. Avant moi, ton numéro, je vais te faire le transfert. Il manque. Voilà, ça va de ton pays. Elle ne lève pas là. Bisonda. Dès qu'il se bat. Après, il va arriver devant toi en train de folerer. C'est devant toi en train de que c'est un braqueur. Non, c'est pas possible. Ah. Pas tout le monde, Jacob. Pour toi, tu avais dit qu'il vendait les hachis pour être riche. Il vendait un grain qu'à 1 million. Non, il y a un folie dans le pays. Il vendait un grain à 1 million. Jacob, je crois qu'on a été fait une émission. Les gens sont morts de rire. Jacob, comporte-toi. Paulin Yossi dit que quelqu'un va comme Tony Nobody. Il se comporte passer devant son enfant. Dans l'enfant d'aller à la maison, tu vas entendre ses mots. Devant mes enfants qui sont en train de me regarder. C'est une mission pour nous. C'est une mission de gérer la société. Mais c'est une très bonne chose, Jacob. Parce qu'en fait, tu montres le vrai visage de personnes irresponsables. Tu es irresponsable. Oui, j'accepte. Toi, tu es responsable. Tu es où? Moi, voici à côté de toi. Oui, je viens te sauver. Là, là. Je viens te sauver. Fais ton direct. Donc, Koutip, aujourd'hui, tu peux parler aujourd'hui avec beaucoup d'assurance. Je dis ce que je pense. Le Cameroun, c'est un pays faussé à la base. Alors, parce que tu peux pas être dans un pays qui se respecte. Un gars fait la moto avec l'agrégation, avec le master. C'est possible, Jacob. Pendant ce temps, un gars travaille dans un bureau avec le BPC. Que c'est possible? Jacob, regarde les 5 doigts de la main. Yes.
le travail. Dans le sein droit de la main, il y a un doigt plus court et un autre plus grand. Donc un pays qui se respecte, tu vis quelque part depuis 30 ans. Un matin, un gars vient te dire que tous les titres fonctionnaires étaient pour son grand-père. C'est ça? Là, je ne suis pas d'accord. Alors, c'est un faux pays. Mais ce n'est pas un faux pays. Quel est ce pays que pour acheter le terrain, on part à la sous-préfecture? Autant d'Aïdjo, on part à la sous-préfecture. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est un faux pays. Jacob. Quel est ce pays? Un pays où un artiste, pour toucher ses droits d'auteur, est obligé de marcher dans la rue. Je suis d'accord c'est avec toi. C'est un pays là-bas. L'indigence des artistes, ça me touche aussi. Un pays où les enseignants sont obligés d'arrêter les cours pendant plus de 2 mois. Pourquoi on les paye? C'est un pays là-bas. Jacob, ça arrive. Pendant... Non, arrête tes bêtises. Pendant ce temps, un ministre à Yaoundé, une de ses voitures, c'est le salaire, c'est, ça peut payer tous les fonctionnaires d'une école publique. Ya, yeah, Jacob. Ya. Yeah. Quel est le ministre au Cameroun que les voitures, c'est 400 millions. Tu as vu, Jacob? Ya. Yeah. C'est ce que les gens disent. Tu as vu la voiture du défilé, la voiture que le PLA est venu au défilé avec. Mais c'est la voiture. C'est le budget de tout le monde. Hein. Attends, tu vois le salaire d'un président? Hein? Tu vois le salaire d'un président? Il doit avoir les salaires. Oui. Pourquoi? Il travaille, il gère un pays. Quelqu'un se met au bureau, si le papier, on s'en fait. Il gère un pays. C'est toi, on dirait. Toujours. Ce qu'il parlait, les blagues, c'est mal. Deux fois, mes enfants grandissent. Oh, que tu tiens, salopard. Non, mais. En fait, ce que tu dis, il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de vérité. Sauf que, il faut savoir que toutes les dents de la bouche ne sont pas gâtées. Et toi et moi, et d'autres... Mais il y a les dents que si ça se gâte, la bouche ne va plus fonctionner. Surtout dans les incisives qui sont faits pour couper. Tu gâtes les canines qui sont là pour déchirer, tu laisses les mâchoires. Soit tu donnes la nourriture que mâche sans couper, sans déchirer. Tu vas mâcher avec toi. Jacob, notre mission justement, nous avons atteint un point très bas. Nous ne pouvons plus descendre plus bas, nous devons remonter. Et la mission des gens comme toi et moi, et d'autres encore au Cameroun... Voilà, tu dis qu'il y a master, je suis étudiant en... Ouais. Ouais, c'est parti. Il y a master, il y a master de quoi et master de quoi. Tu crois que si tu as le master en anthropologie humaine, l'autre a le master en anthropologie animale, tout ça c'est master. Maintenant c'est les spécialités qui diffèrent, non? Et bien embrouillé qui là. Tu as un doctorat en biochimie. L'autre a le doctorat en langue. C'est doctorat, non? C'est la spécialisation, c'est la spécialisation. Hey, Jacob, allez, vous restez. Voilà. On a une petite coupure. La PJ te guette. J'habite même déjà là-bas. Je suis derrière la PJ, donc je suis à Nebel. Jacob, salopard. En fait, je suis en train de dire que